J'ai dit ça pendant le culte, dire Nzambe Esther, Bakondi Esther. Il y a un moyen pour toi aussi d'assister ceux qui sont à l'est du pays. Vous voyez, aujourd'hui, nous prenons de champagne ici, tous au festoyer, alors que Baninga Nabiso a bombimba na pour massa ses obéta. Vous voyez, et si vous vous rendez sur place, rendre visite à ces personnes, leur dire que je suis venu vous prêcher Jésus. Un groupe de personnes être arrêté et publié qui sont tentés à la personne de l'autorité du pays. Non seulement ça, le premier va rater. Dieu me dit ça sera aussi l'avertissement et la paix qu'il y a une trahison dans la maison. Je vois un homme, un politicien. Je vois les journaux, les médias sociaux, parler de dépression dans l'autorité de ces pays. La dépression, il y a mon condiment en boko et mutu eninganiye. Tabeli mutu. Période. Kane keke. Il y aura une mise en place. Bautia mutu sika na okamba mia mboko ya pense. Je vois un général revenir. À moi, général, moi quoi, le moi à Ozoma. À la tête de la police. À Ozoma, au camp de la police. Revenir. Nabi Azalaki, à le moi qui à Zongi, à Ozoma, ce qu'on me conduit. Principal. Santé nationale puissante chez Docteur Cathy Munga. Comment dans la sœur Cathy Munga, Nazali naturothérapeute, Nazali Kosura Bandeko Bazali Naboko Nenge na Dengue au moyen de plantes naturelles. Bandeko Bazan a problème, il y a des hémorroïdes internes tout comme externes, infection urinaire, prostate, azospermique, obota ésalité, rhumatisme, nerf sciatique, gouttes, règles douloureuses, glaucome, vision floue. Mon tout pas si intense, sinusite. Awa, la zana kati à laboratoire. A en débisika na secha kaba plante, banzete, ba makasa yandenge nandenge, devon anga, yango yo, esika na salaka, ba formi, na ba solution anga. Merci na équipe Mobimba ya maison chez Kati, en particulier Joyce Bolala. Tozali bongo na commune ya Ngaliema, quartier Kinsuka Pêcheur, avenue Maïndombe, numéro 99. Référence carrière Cari Grèce. Le Bikonabino et Singonabiso. Vérité et réalité, votre magazine, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez sur Nouvelle Tendance Télévision, bienvenue. Encore une fois de plus, nous vous transmettons les salutations de la part de toute la grande équipe qui nous accompagne aujourd'hui. Nous précisons à la prise de vue, vous avez Gédéon Loaé. La réalisation est signée Jordan Panzo. Donc, c'est avec cette équipe que nous allons travailler, bien sûr. Bonjour, bonsoir. Tout dépend de l'heure à laquelle vous nous suivez. Merci à vous qui êtes déjà abonnés. Si vous n'êtes pas abonné, allez vous abonner rapidement. Et cela, c'est fait gratuitement. Il suffit de faire tout simplement ce que je vous demande. Touchez sur le bouton, c'est écrit « s'abonner ». Touchez une fois, juste à côté, vous verrez une cloche. Touchez sur la cloche, vous verrez toute notification. Une fois touché, vous êtes compté parmi nos abonnés. Merci à tous nos partenaires, tous ceux qui aiment la Fondation Dès le cœur de la nation et l'orphelinat Famille du cœur Christ Rédempteur, représenté bien sûr par Maman Marie M5 depuis Liège. Merci Maman Marie. Clin d'œil spécial également à Chouchou Natati, la véritablement femme d'affaires. Merci ma sœur. Merci à vous qui continuez toujours à nous faire confiance. Bientôt, ça sera la rentrée. Ces enfants ont besoin de votre aide. Ces enfants ont besoin de vous. Soyons sensibles aux cris des détresses. Vous pouvez apporter un plus et cela fera du bien à ces enfants. Surtout, pensons à leur avenir. Donnons sourire à ces enfants qui sont abandonnés aujourd'hui dans la rue à cause de plusieurs réalités. Prenons les images et nous allons nous retrouver tout juste après.
contre la République démocratique du Congo face aux 7 équipes de Niger. Bonsoir, bonjour. Comme vous n'avez pas de délivrance, vous êtes journaliste sportif. Je vous remercie, monsieur Alain Dele, la fondation, la Yemunene, Alain Dele, Oya Sunga Kaba, Oyo Bazanga, Nako Senga Nabatu, Oyo Nyonso, Bazamo Tema Malam Balunga Kosunga Bani. Ba soutenir fondation Alain Dele ba meka pe ko sunga bato bazanga soki batu mi bale to mi satu bazana Congo lokola monsieur Alain Dele to ko tombola Congo na biso tantôt lobby tozo luka bat o ba ko soutenir Congo na remercier monsieur Alain Dele na fondation na ye mutu aye ba koza aye ba kapasi o batu bazanga akabilak bino pe batu bozana mutema malambo meka kosunga batu bazanga chana 2020 Moussa il trouve qui les bancs par les congolais inonga banka indumba et ça c'est toujours ça passe en côté merci nzambe asunga monsieur Alain Dele na fondationné merci. Entre la République démocratique du Congo face à cette équipe de Niger. Bonsoir, bonjour. Comme vous avez pendant la délivrance, vous êtes un journaliste sportif. Je vous remercie, M. Alain Dele, la fondation, la Yemunene, Alain Dele, Oya Sunga Kaba, Oyo Bazanga, Nako Senga Nabatu, Oyo Nyonso, Bazamo Tema Malam Balunga Kosunga Bani. Ba soutenir fondation Alain Dele ba meka pe ko sunga bato bazanga soki batu mi bale to mi satu bazana Congo lokola monsieur Alain Dele to ko tombola Congo na biso tantôt lobby tozo luka bat o ba ko soutenir Congo na remercier monsieur Alain Dele na fondation na ye mutu aye ba koza aye ba kapasi o batu bazanga akabilak bino pe batu bozana mutema malambo meka kosunga batu bazanga chana 2020 Moussa il trouve qui les bancs par les congolais inonga banka indumba et ça c'est toujours ça passe en côté merci nzambe asunga monsieur Alain Dele na fondationné merci. Nous sommes de retour sur ce plateau, nous avons un réel plaisir d'avoir ce plateau un serviteur de Dieu calme qui a une manière assez particulière de communiquer. Et quelqu'un qui n'est pas mis aux réseaux sociaux, mais qui est vraiment vrai et qui jusque-là, depuis un certain temps, tout le monde parle de lui. Pourquoi on parle de lui? À cause de ce qu'il apporte comme message. Le Seigneur lui donne un message et il nous transmet les messages. Quelques jours après, quelques mois après, on ne voit que la réalité ou la réalisation de ces différents messages. Il s'agit du prophète Paul Fulgence Nkoussou. C'est lui qui dirige l'église Emmanuel Rafatchech et également le visionnaire de MPD, ministère La Main Puissante des Dieux. Homme de Dieu, prophète Paul Fulgence Kosso, bonjour et bienvenue. Bonjour papa Alain. On se retrouve après les quatre. Ouais. Maintenant ça va? Ouais, ça va. Merci beaucoup. Après le 4J, comment s'est déroulé l'événement? Ouais, par la grâce de Dieu, ça s'est bien déroulé. Bien qu'il y ait eu de petits soucis, parce que certaines personnes sont allées à Chaubeuse. Effectivement, nous avons reçu beaucoup d'appels. À Chaubeuse, j'étais obligé de me rendre personnellement à Chaubeuse pour parler avec ceux qui y étaient et puis descendre avec un groupe aussi à l'église. Donc, en dehors de ça, d'une manière générale, le Seigneur était au rendez-vous, tout s'est très bien passé. Tout s'est très bien passé, c'est vrai déjà, est-ce que c'était facile quand même de diriger des gens? Parce que déjà, moi j'ai reçu beaucoup d'appels, il y a des gens qui étaient déjà en route vers Chaubeuse, qui n'ont pas pensé que ça serait, qu'il y ait une modification. Il y a des gens qui étaient là, mais malheureusement, en fait, heureusement, nous avons vu quand même, la salle était, il n'y avait même pas assez d'espace parce que les gens étaient vraiment dans la salle. Mais comment avez-vous géré quand même tous ces gens, ceux qui sont venus après l'événement? Bon, on a prié avec les personnes que Dieu voulait à ce qu'ils soient là. On était avec et ceux qui sont venus après, on s'est excusé. Il y a même d'autres qui sont allés à Chaubeuse le 30 juin, qui aussi n'avaient pas la date du 4, qui avaient la date du 4, du 30 juin. Il y a une dame qui m'a appelé. Il y avait aussi une prière de la nation à Chaubeuse, le 30 juin. Okay. Et il y a eu un groupe de personnes qui se sont retrouvées là-bas. Malheureusement pour eux, ils n'ont pas vu le prophète. Après, ils m'ont appelé. Mais on est ici à la prière. Apparemment, vous n'êtes pas là.
excusez-nous, bon, on a essayé de tourner des émissions, en parler, mais bon, le message n'est pas arrivé à tout le monde. Ceux qui sont venus après, ceux qui m'ont contacté personnellement, je les avais envoyé les liens pour qu'ils suivent même en ligne ce qui s'est passé le 4 juillet. Donc, pas trop à dire, juste bénir Dieu pour cette activité et puis dire merci à ceux qui ont soutenu financièrement, ceux qui ont mis leurs mains dans la pâte pour que cette journée se passe telle qu'il s'est passé. Je dis merci à vous, que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos enfants jusqu'à la troisième génération. Vraiment, je vous remercie. Merci beaucoup, prophète. Les gens ont toujours soif de cet événement. Est-ce qu'il faudra-t-il parler en série d'éditions ou c'est juste une prière, c'était juste une date et puis c'est fini? Ou il y aura une continuité? Bon, il y aura continuité de prière pour la nation, parce que si on s'est dit qu'on le fait en série d'éditions, c'est comme si on ne croit pas à ce que Dieu va faire. Okay. Parce que déjà, la guerre va finir. Si on doit continuer en série d'éditions, c'est comme si on demandait à ce que la guerre continue pour que nous continuions aussi à prier. Non, donc, on va peut-être changer de thème, mais chaque année, on aura au moins prière pour la nation. Mais les thèmes vont changer. On peut prier prochainement pour autre chose. On va prier pour selon que le Seigneur va nous orienter. Mais comme je l'avais dit, après ce qui s'est passé ici à Kinshasa, je vais faire un tour à Lubumbashi. Après Lubumbashi, c'est alors que j'irai à l'est, donc je vois Goma, Beni et Ituri. Je n'ai pas le programme de Bukavu, les gens de Bukavu réclament. On est en train de faire ça avec le moyen que nous avons. C'est-à-dire le moyen qu'on met ensemble à gauche-droite. On n'est pas sponsorisé, on n'est pas soutenu par de gens. On est soutenu par nous-mêmes. Donc, on essaye de le faire avec le moyen que nous avons. Donc, c'est ça. Même Lubumbashi, on attend. Si je devrais déjà être à Lubumbashi, si je ne suis pas encore là, on attend les personnes qui ont promis de prendre le logement en charge et puis de prendre le billet aller-retour en charge. Donc on attend la confirmation. Si tout va bien lundi déjà, on sera de l'autre côté. Donc moi, j'ai tout ce que j'ai à dire, c'est vous remercier. Remercier ceux qui sont venus sur place. Remercier ceux qui ont suivi en ligne, qui ont prié avec nous en ligne. Et remercier ceux qui ont contribué pour que cet événement ait lieu. La contribution n'est pas forcément financière. Il y a certaines personnes qui ont contribué, qui ont partagé la nouvelle, par exemple, et d'autres ont prié pour l'événement. Ils ont aussi contribué en leur manière. Donc, je dis merci à tout le monde, à tout le peuple congolais. Je vous remercie. Merci beaucoup. Alors, je crois que les gens... il y a quelques personnes qui ont contribué. Et jusque-là, les gens se posent la question. Déjà, vous avez déjà beaucoup de choses. On a enregistré 100 sacs de semoule, 100 sacs de riz. Il y a eu 1000 pagnes. Et puis, je crois qu'il y a quelques biens que les gens ont peut-être essayé un peu de réunir. Alors, on se pose la question, comment allez-vous vous rendre à l'aise, bien sûr, avec toutes ces choses? Bon, ce qu'on est en train de faire, on est en train de négocier avec le cargo, les cargos Congo Airways et puis les cargos militaires. Les négociations sont en cours et on a deux plans. Le plan A, c'est payer l'avion pour la marchandise, si je peux appeler ça comme ça, pour les riz, pour le bien. Et puis deuxième plan B, c'est on va amener aussi de l'argent en espèces sur place et on va acheter aussi sur place même chose. On va acheter 100 sacs de semoule, 100 sacs de riz là-bas sur place et puis le pan on va ramener d'ici. Mais là-bas sur place, on comptait rajouter des mousses, des matelas pour distribuer. On est à la saison sèche, il fait très froid là-bas. Il y a des familles qui ont perdu des maisons. On va apporter de couvre-lits, de matelas,
On essaye de faire ce qu'on peut pour aussi apporter un soutien à nos bien-aimés qui sont de l'autre côté. Donc, c'est pour dire, quand je dis que nous allons aussi apporter l'argent en main pour ne pas, au cas où les cargos retardés, on va aller quand même avec l'argent acheter sur place en attendant que les cargos nous suivent. Parce que si les cargos vont suivre, celui du cargo, on va distribuer ça à Goma. Okay. À Goma pour les victimes de volcans. Volcan. Mais ce qu'on va acheter sur place, on va distribuer à Beni et à Ituri. Vous comprenez? Donc, on a besoin de 500 sacs de riz, 500 sacs de semoule. Et puis, pourquoi pas, ici on va acheter 1000 pannes, mais si on a encore, on reçoit encore de moyens, les gens contribuent davantage, on peut aller même jusqu'à 5000 pannes. Ok, donc 5000 pannes, ça veut dire si on arrive à Vétures, 5000 mamans à l'Est, c'est déjà une bonne chose. Vraiment, ça serait une bonne chose. Sinon, les gens peuvent toujours continuer à contribuer. Ouais. Les gens sont en train de contribuer. On m'a demandé, il y a beaucoup ont demandé. C'est pourquoi on a même repoussé le voyage. Nous allons à l'Est début août. Okay. On laisse tout le mois de juillet pour recevoir le don, recevoir des contributions. Et moi déjà, je fais Lubumbashi. J'ai demandé une mise en disponibilité à l'église pour essayer de m'occuper plus de démarches de notre voyage pour Est. Donc, négocier l'avion cargo, calculer le billet des gens avec qui je vais partir, calculer les logements, je suis plus dans ça. Et c'est comme ça qu'on attend. Les gens sont en train de contribuer, d'autres ont dit « moi j'aurai l'argent dans 2 semaines ». Prophète, il faut que ma contribution arrive à l'Est. Et comme je l'avais dit, avec votre permission, d'ailleurs, je voulais rapporter ici, à l'émission, tous les... comment on appelle ? Les preuves de paiement. Les preuves de paiement. Les preuves de transfert, en fait. Tous les preuves de transfert qu'on a reçus à Western Union, RIA, MoneyGram, depuis qu'on a commencé ces récoltes pour Beni. Je voulais que tout se passe dans la transparence. On regarde sur le papier, on ne va pas citer le nom de gens qui ont donné. On s'est dit, ok, combien coûte à qui autant ? On a acheté combien de sacs ? On a acheté autant, on a acheté autant, on a fait ça, on a fait ça. C'était ça vraiment mon souci. Donc, tout est bien organisé au point où vous êtes prêt à expliquer. Je suis prêt à expliquer les entrées, avec les détails, et puis expliquer, on a les factures de tout ce qu'on a dépensé pour cet événement. Donc, les enfants de Dieu ont beaucoup été déçus, surtout avec ces histoires de ONG, Mbongo Makate. L'argent va à gauche, à droite, le monsieur s'achète une voiture ou bien il fait ceci, il fait cela. On veut vraiment aussi gagner la confiance de gens qui soutiennent cet événement, les gens qui soutiennent cette œuvre. Peut-être que ce ne sera pas la dernière fois, ça va aller petit à petit selon le moyen que le Seigneur va nous donner. Si demain, après une année, le Seigneur mettait des moyens à notre disposition, moi, ma pensée dans ma tête était si j'avais de l'argent, j'allais construire des maisons pour des familles où on a une guerre, où on a massacré des maisons, et des familles où on a décapité les parents. On allait vraiment prendre ces enfants en charge et scolariser ces enfants. Pourquoi pas venir avec ici, m'associer avec vous qui avez déjà l'orphelinat, travailler, aider ces enfants à aller à l'école. Je suis orphelin de père et de mère, je le dis toujours, aider ces enfants aussi à espérer encore. Donc, c'est un peu ça. Merci beaucoup, prophète. Je crois qu'en parlant de cet événement, je crois que les gens vous ont suivi avec beaucoup plus d'attention. Et nous demandons d'ailleurs, vous qui n'avez pas encore contribué, on vous laisse encore quelques jours, donc quelques semaines. Donc vous pouvez profiter aussi, enfin, d'apporter votre soutien. Et cela nous fera énormément plaisir. Déjà, vous avez le programme. Donc le déplacement pour l'Est, c'est prévu pour le mois, début mois août. Donc ne nous tenez pas à rigueur. Pourquoi est-ce que le prophète ne s'est pas déplacé directement? C'est parce qu'après événement, il y a eu des gens qui ont aussi besoin de contribuer. Mais c'est vrai que
les temps n'a pas encore permis. Alors nous attendons et on les accorde aussi la chance parce qu'ils ont aussi besoin de contribuer. Voilà pourquoi est-ce qu'il a laissé ce mois de juillet, que nous puissions épuiser ces mois tout en contribuant le peu qu'on aura. Et à la fin, donc le début de mois d'août, on va descendre de l'autre côté pour enfin distribuer tout ce que vous avez envoyé, tout ce que vous avez donné. Il y a même, j'ai vu, même le colis. Donc, Papa Patrick dit, non, n'oublie pas, il y a déjà les colis, il y a 2 kilos de Doliprane qui est là. Notre frère qui a envoyé les 2 kilos de Doliprane, donc toujours pour ramener de l'autre côté. Alors, nous avons un souci. Si peut-être le prophète il n'a pas cette facilité-là de vous le dire, moi je vous le dis quand même. Si vous avez des bonnes relations avec, bien sûr, des gens qui gèrent et toutes ces compagnies aériennes, donc vous pouvez nous aider. Nous avons besoin des cargos. Tout ce qu'il y aura comme bien. Et même maintenant, là, on a du mal à collecter ce que les gens veulent donner. Parce qu'on s'est dit, c'est vrai, si on prenait le tout, comment est-ce qu'on va se rendre avec ça là-bas? Alors, ça demande le coût, ça demande des moyens. Vous pouvez nous aider. Et si vous pensez que vous pouvez disposer de votre argent afin de louer, ou je ne sais pas, parler avec cette compagnie-là. Donc, on est très, le prophète est très ouvert. Donc, vous pouvez aller seul, faire le démarche et enfin lui dire, c'est là que prophète, moi, j'ai booké pour telle date. Vous pouvez prendre les histoires et puis et les amener là-bas. Donc, vraiment, veuillez nous aider. Veuillez nous aider, veuillez nous aider. C'est maintenant, vous savez, vous avez toujours contribué dans des choses qui ne tiennent même pas debout. Des choses qui n'aident même pas. Mais maintenant, là, il s'agit de nos propres frères, de nos propres sœurs. Donc, il s'agit des Congolais. C'est l'affaire de tous. Toi, tu es Congolais, tu es en Europe, je ne sais pas, tu es en Côte d'Ivoire, tu es je ne sais où. C'est maintenant. Essaie un peu d'aider les autres. Aide tes frères, tes sœurs. Et je sais que le Congolais est toujours serviable, social et surtout très sensible aux cris de détresse. Aidons surtout l'homme de Dieu. Vous savez qu'on lui laisse le temps de prier pour nous. Mais s'il est là, il commence encore à se lamenter, il ne sait pas. Et c'est vrai, il a déjà reçu le bien, alors il ne sait pas comment faire. En tout cas, je sais comment est-ce qu'il fonctionne. Il ne veut pas être moins sérieux. Il ne veut pas gâcher surtout sa réputation. Alors, qu'on lui accorde le temps de prier pour nous. Et nous autres, organisons-nous pour que nous puissions décompter la situation. Parce que jusque-là, s'il ne les dit pas moi, je martèle là-dessus. C'est vraiment sérieux. Il y a de biens. Mais comment est-ce que ces biens vont se rendre là-bas? Comment il va se rendre là-bas avec ces biens-là? Donc, ça demande notre contribution. Je crois que je ne suis pas allé à côté de la plaque. Non, non, ça va. OK. Ça va, ça va. Et donc, on a besoin de tout le monde. On a besoin de l'argent de transport pour ça aussi, pour y aller. On est ouvert, comme Papa Alain l'a dit. Ce n'est pas de l'argent qu'on va mettre dans nos poches. Ce n'est pas de l'argent qu'on va s'acheter de biens ici. Mais c'est de l'argent qui va soutenir. Vous voyez, j'ai dit ça pendant le culte, dire « Nzambe este, Bakondi este ». Il y a un moyen pour toi aussi d'assister ceux qui sont à l'est du pays. Vous voyez, aujourd'hui, nous prenons de champagne ici, tous au festoyer, alors que Baninga Nabiso a bombimba na pour massa ses obéta. Vous voyez, et si vous rendez sur place, rendre visite à ces personnes, leur dire que je suis venu vous prêcher Jésus. Et donc, j'ai beaucoup de projets dans ma tête. J'ai beaucoup de projets seulement. Premièrement, je dis, je n'ai pas de partenaire qui est Moutoumouaz Allah, qui moi, je suis le partenaire du prophète Fulgence. À part mes partenaires, ce sont Bamastanangai. Vous voyez, des amis, oh, Yeli Kilolosolazangi dans Bengoya. On avait un projet d'acheter même 2000 ou 3000 Bibles. Vous voyez, 3000 Bibles, là, on va donner, on va remettre à l'armée. On va remettre à l'armée militaire, Nyon Sobake, guerre, Wana. Quand on a franc, il y a des moments où il y a Kimia, la Bible dit que ces livres de la loi ne s'éloignent pas de ta bouche. Médite les jours et nuits, c'est alors que tu réussiras. Pour réussir dans la guerre aussi, on a besoin de ces livres de la loi. Donc, c'est ça. En fait, j'ai beaucoup de choses en tête. À chaque jour, c'est ça ma prière. Donc c'est ça. Et puis comme tu l'as dit, tout tendre vers la rentrée scolaire. Les orphelins, j'ai vu une vidéo
une photo il y a deux jours ici. Bah, mitoa ba tebele ba 5-6-5. Ses parents ont laissé des enfants. Et ces enfants, bah, peine à posa ba zonga classe na septembre, rentrée scolaire. Et voyez un peu comment la vie de moi, via Moutoupe, cause à des trucs à bouer. Banana ba ba innocent. Ba parents, la bambale ba innocent. Des colos, il y a guerre, il y a mboka. Mboka ndé tozoué la mabele, et sali ki banana biso ba komo vivre en go. Alors, pourquoi ne pas apporter sourire à ses enfants? Pourquoi ne pas apporter le pain à ses enfants? L'iputa to memelaya olata olata enzuluka. C'est moula olie ici la meilleure symbole. Et tika la mouté maneki, ah bakanisa ebiso. Vous voyez, bakanisa ebiso. Et de temps en temps, je vais commencer à descendre là-bas, avoir des moments de prière avec. Et j'ai vraiment envie de prier pour le sol, là où le sang a beaucoup coulé. Je vais toucher ce sol et je vais prier pour ça. Je vais toucher le sol de Goma, je vais prier pour ça. Je vais toucher le sol d'Ituri, je vais prier pour ça. Donc, c'est ça ma vision, c'est ça ma pensée. Voilà, merci beaucoup. Alors, je crois, avant de finir avec le prophète, on va parler de Lubumbashi, parce que mes frères de Lubumbashi, j'ai reçu beaucoup d'appels de Kolwezi, Likasi, des gens qui ont besoin également de contribuer. Ils se sont posé la question, est-ce que le prophète viendra? Est-ce vrai? Est-ce qu'il sera avec nous? Est-ce qu'il sera avec nous? Alors, je crois qu'il va répondre tout à l'heure. Merci à notre frère, dont je crois qu'il a envoyé ça, ce 2 kilos de Doliprane. En tout cas, merci beaucoup. Déjà, l'économie qui est la peau, toi, le vite, Doliprane, oh, le roi, côté, est traité quand même rapide. Moi, moi, moi de tête, moi, fièvre rapide. Alors, Nazwa Yango et Anna Est. Donc, Yango Anna Kolisa déjà. Merci beaucoup, Maneko Nabiso Yon Soto. Prophète. En passant, on a aussi reçu, on a reçu des cartons venant de l'étranger. Mais par principe, les cartons ne me sont pas destinés. Je ne sais pas ouvrir ça. Dans Open Rezaboué, Ndeka Papa Alain, le Biza Doliprane, Toyebi Keza, Doliprane. Donc, même les cartons que j'ai reçus, Tofungo Lité, Tofungo Lapete, et que Fungama, Place Tozo Kende. Donc, je voulais souligner, en dehors de ça, ils appellent la Batumsuri Batindaki, et Komela Ebiso, ils ont la Katsaba carton, mais ma carton, oui, Fungama Kuna. Ok, merci beaucoup. Alors, on parle de Lubumbashi. Oui. Lubumbashi, vous êtes très attendu à Lubumbashi. Le programme, c'est pour quand? Bon, Lubumbashi, je compte quitter Kinshasa lundi. C'est lundi déjà, je quitte Kinshasa pour Lubumbashi. Mais j'attends la confirmation de... Comme je l'ai dit, la personne qui devrait prendre en charge le logement et puis la personne qui devrait prendre en charge le billet. Donc j'attends sa confirmation dès que c'est bon. Je serai déjà à Lubumbashi. Et la deuxième des choses, on est en train de voir, on ne sait pas recevoir tous ces mondes à Caravia. Caravia, on va créer un désordre, l'attroupement. Déjà, j'étais allé là-bas, c'était pas évident, la foule qui était à Caravia tous les jours. On est en train de chercher, pendant mon séjour, ces courts séjours que j'aurai à Lubumbashi, trouver une salle où je vais réunir tout le monde le même jour, prier pour tout le monde, parce qu'il y a des gens qui veulent la prière aussi, prier pour tout le monde et communiquer la vision que nous avons reçue venant de Dieu par rapport à notre nation. Donc, si ceux qui sont à Lubumbashi, vous connaissez une salle déjà, une salle qui va recevoir beaucoup de monde, sauf le bâtiment du 30 juin, parce que le bâtiment du 30 juin, avec les restrictions, on ne nous permettra pas d'être là-bas, sauf les grandes salles que vous connaissez qui sont plus attachées aux autorités ou Yabakondi. Donc, si vous connaissez un endroit, une salle ou là où on peut faire une église, une très grande église, de la place qui peut nous recevoir pour communiquer la pensée de Dieu et puis récolter ce que vous avez. Parce que les gens doivent savoir, je viens à Lubumbashi pour récolter ce que vous avez et ramener à l'Est. Papa Alain, je ne viens pas à Lubumbashi juste pour venir, je viens pour faire récolter. Vous m'aviez demandé, parce que j'étais à Kin, j'ai demandé à certaines personnes, Tindana, Mpesa, envoie RTL Manio, non prophète, ça sera mieux que tu viennes sur place. Donc, je suis en train de venir à Lubumbashi pour
récolter le paix que je vais récolter et prier avec ceux qui voudront prier avec moi. Et après, le paix que j'aurai à Lubumbashi, je descends à Kinshasa. Kinshasa, destination est. Voilà, merci beaucoup. Alors, je crois que nos frères et sœurs de Lubumbashi attendaient le prophète déjà pour la semaine prochaine. Déjà, il sera là, bien sûr, avec vous. Et continuez toujours à nous faire confiance. Et les gens parlent de la prophétie. Je crois que je vais vous laisser encore le temps de suivre les différentes prophéties, en fait. Depuis les quatre. Déjà, j'ai reçu beaucoup d'appels. Mais déjà, nous, ici, à Swaziland, déjà, ça, c'est que le prophète a dit, c'est ça. On est en train de vivre cela. Alors, je crois. Et on aura à recevoir le prophète prochainement pour parler quand même de différentes prophéties, une après l'autre, pour enfin comprendre les choses. Alors, tout ce qui tourne tout autour de la polémique, non, l'interprète, tout ça, j'ai reçu beaucoup d'appels. Je ne sais pas qu'est-ce qu'il faut faire. Bon, je ne sais pas, homme de Dieu, vous avez reçu des appels? Ce n'est plus l'aide du devant, alors c'est autre chose. Maintenant. C'est quoi maintenant? 2.0, langue, interprète à lobby. Ma maîtrise en moté, tout ça, tout ça. Alors, je ne sais pas. Votre réaction, quand même, ça change de cap maintenant. Non, ben, je n'ai rien à dire. Je n'ai rien à dire. Je ne peux pas interdire quelqu'un de prier en langue. Comment je peux dire à quelqu'un, arrête de prier en langue? Je ne peux pas faire ça. C'est mieux de recevoir Bovic. il faut recevoir Bovic ici. Et comme ça, vous allez poser la question. Même moi, j'ai eu à poser la question sur 2.0 ou 9.0. J'ai posé la question de savoir c'est quoi. On m'a expliqué un truc de la vitesse de... Internet 2.0. C'est comme les gens ont toujours dit que non, TGV, vitesse voilà, TGV. La vitesse de la vision, tu vois un peu. 2.0, 1.0, Bilo Moua Bongo. Donc vous êtes allé tellement vite la et puis loin, est très clair. Donc Bilo Moua Bongo. Lui, ça me sa le coup, t'as raté. Ça reprend la même chose, non? C'est ce qu'il disait aussi. Non, lui, ça me sa le coup, t'as raté l'outil. Donc pour la première fois que j'ai entendu ça, c'est le jour où j'ai prophétisé pour le général John Chibangu, que j'ai sali en passant, qui devrait être avec nous le 4 juillet à Kangamène en embouteillage. Il est arrivé tantôt 6, donc c'était impossible qu'il soit là. Il a appelé le jour après pour s'excuser. Donc quand je prophétisais sur la libération du général John Chibangu, c'est le jour où j'ai entendu pour la première fois Bovic dire Bon, je ne sais pas, il faut appeler Bovic, lui poser des questions. Mais pour ceux qui ont suivi la vidéo, si vous regardez bien la vidéo, quand il a fait ça, j'ai souri. Même devant là, quand il a dit ça, je voulais prophétiser, mais j'ai souri. Je l'ai regardé, j'ai souri. Parce que je me suis dit, Bovic, Ukraine, c'est souvent un problème. Bon, anyway, c'est une parenthèse à fermer rapidement et à rejeter. Je ne peux pas dire à quelqu'un, arrête de prophétiser. Tout comme je ne peux pas dire à quelqu'un, arrête de parler en langue ou de prier en langue. Yelanzamena. Seulement, peut-être, on va essayer de les recadrer d'une manière ou d'une autre. Et moi, je prie en langue. Mais je fais de mon mieux ne pas prier souvent en langue na micro. Vous comprenez? Parce que je sais que ce que je dis, les gens, Borio Kangote, je prie. Prier en langue, ce n'est pas un péché. Donc je prie en langue. Bovic, ce n'est pas la première fois. Il a toujours, depuis Avana Yebana, c'est lui qui m'interprète. Donc c'est un petit qui est avec moi, ça fait autant que ce 9 ans. Vous comprenez? Donc. Je ne sais pas dire à arrêter l'opération du Saint-Esprit. Nous avons prié en langue habité. Si la langue nous bat, internet. Je ne saurais pas faire ça. Si Bovic choque par son parler en langue ou par ses commentaires, parce que quelqu'un d'autre m'a dit trop de commentaires pendant le service, ça, je lui en parlerai et il changera ça. Je lui en parlerai, je vais essayer de demander à Bovic de recadrer certaines choses. Donc voilà, vous avez besoin de nous, on est à l'église Emmanuel Rafa. Maintenant je crois que l'adresse est connue, sur Nzela Maï, Arrêt Pharmacie,
avenir du tourisme numéro 1. Église Emmanuel Rafa, on a culte tous les dimanches matin de 9h à 11h. D'ailleurs, c'est le mois de juillet et il y a moyen de visitation divine. Donc, le Seigneur va nous visiter divinement. Ne manquez pas. Donc, Wana, mais pour Bovitch, je lui dirai. Et puis, on crée l'émission avec papa Alain Bélé. Comme ça, il va répondre à vos questions. Ok, merci beaucoup. Alors, retrouvez le prophète Paul Fulgence Koussou au plus 243 82 50 60 70 8 à la fin. Donc, je répète, plus 243 82 50 60 708. Donc, c'est son numéro. Vous pouvez l'écrire sur WhatsApp. S'il ne prend pas votre appel, n'insistez surtout pas. Faites un message. Au moment opportun, il pourra revenir vers vous. Ou soit, oui. Papa, mais... Seigneur Jésus. On a donné le programme de jeudi, Marie. Et t'as dit, bah, tout est. Les gens appellent lundi à Kobenga. Et puis il vient, allô, allô, prophète. Naïebi que l'oba est au Benga, comme mardi, na jeudi, mais na Benga, le logo limbisanga, mais faut yo kangaï. Mais les gens qui appellent comme ça peuvent être sans. Ouais, ouais. Et puis je me rends compte. J'ai pas de jour pour ça. Donc, donc, mardi et jeudi, c'est le jour où il est disponible. Pour donc, recevoir les appels. Il reçoit les appels, il va lire le message et puis répondre de temps à autre. S'il ne répond pas, en tout cas, ayez patience. Il va revenir vers vous. C'est un humain, c'est tout à fait normal. Il arrive au moment où il est épuisé. Et d'ailleurs, il y a des gens qui me disent, mais des fois, il ne sait même pas le temps. Il n'a même pas le temps pour manger, le temps de se reposer. Donc, il est là, il est trop saturé. En tout cas, ne les tenons pas à rigueur, c'est un humain aussi. Donc, il doit aussi avoir le temps de se reposer, surtout. Et de prier pour vous. Et de prier aussi pour nous. En tout cas, restons fidèles à Dieu, restons calmes. Et on va suivre cette série, bien sûr, des prophéties. Il faut suivre les différentes prophéties avec beaucoup plus d'attention. Non, pourquoi il y a ceux qui ont fait ça, la mine balobi et balobaki. Avant ma campagne dans Swaziland, déjà prophétie Bimaki. Paul Batekino Bazol Baka Makambo déjà contre Salamaki. Je te recommande cette vidéo. Yolanda, parce que lorsque tu poseras la question, je ne veux pas répondre. Parce que je vais répondre quoi? Ceux qui sont déjà là avec nous au point savent qu'il y a beaucoup de choses déjà. Il est ah, déjà à l'obaki, l'obaki et l'obamaki. Et lui aussi, il n'est pas seulement dans la prophétie. Il nous demande de temps à autre, restons fidèles à Dieu. Jésus-Christ de Nazareth est le roi de rois, c'est lui notre Dieu. Alors la prophétie, on ne peut pas bâtir une église sur la prophétie. Il a toujours dit ça. Parce que nous avons tout le monde, il y a une prophétie. On a noté la prédication de ça, Oyoka. C'est un prédicateur de la bonne nouvelle. En tout cas, nous sommes très bénis, homme de Dieu. Pour aujourd'hui, on peut finir. Vous avez un message? Merci beaucoup. Merci beaucoup à vous qui suivez. Tous les dimanches, il y a la prédication du prophète qui passe en ligne. Si vous voulez suivre la prédication, il y a mes prédications sur YouTube, il y a partout, je prêche. Quand je viens à l'émission, je viens pour les interviews, je ne viens pas pour la prédication. On peut parler autour de la parole, mais c'est plus les interviews. Je voulais souligner, il y a quelque chose qui dérange aussi un peu. Pour nos frères et sœurs qui appellent. Il y a des moments où je suis en communication avec quelqu'un d'autre aussi qui a appelé parce qu'il a un problème. Je parle avec la personne. Toi, tu appelles. Ça sonne occupé. Tout, le prophète est occupé sur WhatsApp. Tu prends maintenant l'appel normal. Tu dis, ah, ça occupé dans WhatsApp. Tu casses cet appel-là. Maintenant, quand tu appelles là, tu casses maintenant la personne, l'entretien, admettons qu'on était déjà en train de prophétiser sur lui. Ton appel est Yekati, ça déconcentre et puis non, on a bengi on a WhatsApp, na moni ozo kipe, on a bengi aucun appel normal. Vous voyez, donc essayons de, si je réponds pas, je traite le problème de quelqu'un d'autre. Donc quand je vais finir avec la personne, je viendrai à votre je viendrai maintenant pour vous. Donc, voilà. Merci. Pour conclure, je bénis tout le monde qui continue à soutenir cette œuvre, qui aime le Congo, qui prie pour le Congo.
Donc, seule chose que tu dois retenir, nos phares d'essai ne laisseront plus vivre Amalek. Yes. Donc, Toti Kassou, Amalek, cette guerre va finir. Guerre aux fossiles, là. Ceux qui, Nations Unies, ceux qui banane, ils vont aussi s'en ôter, ils vont aussi s'en ôter. Amen. Ils vont aussi sa guerre au yo. Amen. Donc on a espéré, renfort et kouta, yinye kouta, rien n'a marché. Cette fois-ci, tout kabeli, nzambe guerre ya est, yemo kwasi lisango. Donc que Dieu vous bénisse. Merci Papa Alain Dele pour l'invitation. Que Dieu bénisse toute personne qui a aussi été avec nous pendant cette activité du 4. Mm-hmm. Pour ceux qui ont aussi contribué pour les Kabiens. Je pense à la sœur qui a chanté, la sœur Faver Moukoko qui a chanté. Que Dieu te bénisse là où tu es, pour ton apport, pour ton soutien. Et que Dieu bénisse ton groupe aussi. Et voilà le pasteur qui tous différents pasteurs qui ont intervenu. Que Dieu vous bénisse. Les pasteurs qui sont venus aussi répondre à notre invitation. Que Dieu vous bénisse aussi. On est ensemble, on est tous Congolais et on continue. L'activité s'est arrêtée, on a fini l'activité du 4, mais on n'a pas fini de prier pour le Congo. On continuera à prier pour le Congo jusqu'à ce que Jésus reviendra ou jusqu'à ce que la mort nous surprendra. Que Dieu vous bénisse, que Dieu bénisse vos familles, que Dieu bénisse ce que vous faites. Si tu es malade, reçois la guérison divine dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Si tu as des problèmes, que le Dieu que nous prêchons, que le Dieu que nous prions accorde la solution à tes problèmes dans le nom puissant de Jésus-Christ de Nazareth. Voilà, pour conclure, si mes propos ont dérangé quelqu'un, si j'ai dit quelque chose qu'il ne fallait pas, ou j'ai blessé quelqu'un par mon parler ou par mon attitude, pardonnez-moi, ne m'éteignez pas rigueur. Merci beaucoup. Merci beaucoup, prophète. Alors, mesdames et messieurs, vous qui nous suivez, alors suivez ces différentes prophéties, bien sûr, une série de prophéties. Et nous allons nous retrouver très, très prochainement. Au revoir, bye bye, ciao. Kondima, Identity in Christ, Good News, Chronique 7-14. My brother Joel, let's worship and praise Jesus, cause that's what you are made for. Yeah, man. Kondima ya moto yangwe benga kakolo, wa midali sae paina yo. The race of my life, I will trust in the Christ, to the end forevermore. Trust him, oh yeah. Trust him, oh yeah. Trust him, oh yeah. Trust him, oh yeah. Koe banzambe nde bandeli ya mayele, yangwana na lingina kumisa ye. Epa ya nzambe ndeyo kozwa lobiko, tataza esengo pe azabo lingo. Zika nde masumu, pese nde lokumu, ato kufa kimiso yoko mona lisusu. Maladi ya bwakisa kimbetu, po andime la kikaka tata Yesu, Yesu. Masa tanga makila ambula zomna mibale, po azwa lobiko aposha kiawe. Zembalo kotaka moto na zero, na zero. Alongo lyo na pasi ya komisio yo. Zembalo ngolaka moto na fulu, akomisio moto na kati ya bato. Kondima ya moto yangwe benga kakolo, kwa mitalisa epaina yo. The race of my life, I will trust in the Christ, to the end forevermore. Trust him, oh. Trust him, oh yeah. Trust him, oh yeah. Trust him, oh yeah. Sokutoza na kondima, bapasi eko sila. Lola eko fungwa mama, pinga basode eko kita. Kongo eko ninga, nabanguna bako pakata. Elonga eko zwama, RDC eko bonga. Baseli baba kobala, bye.
samaka soni te aya mbatela yo motema bakuti samate na mabakwa mongona kasi na nyango aya na milelo na ye azonga na milelo na ye ezalate mosiko inanga certaines choses changent. Il est temps que Dieu prenne le dessus de ces pays. Et comme un temps aux amènes à pour des vrais. Jusqu'à quand clocherez-vous des deux côtés? Qui n'entend rien à yenga ngam nosomi bal? Où c'est la franc-maçon? Toi et ça qui si? Où c'est Jésus? Toi et ça Jésus? Alors? Bravo. Si tu es au milieu, sois la kati kati. Je parle en qualité de serviteur. Réponds-toi. Si tu ne te réponds pas, tu ne verras pas le 31 décembre de cette année. Ah, yalabaha sobre gatalia. Ce n'est pas Dieu qui me dit. Zambeda la belingate. Mais moi-même je l'ai dit. Mambanda la lobiango. En qualité de prophète. Le mosakoli. Je me tiens dans les conseils de Dieu. La telle on est fatigué. Tolemi. On est fatigué. Tolemi. Jamais partagé. Boko pe kabola malate. On ne sera jamais découpé. Boko bokata mobitenite. Celui qui osera. Mutameka. Imposer la balkanisation. Koloko kabola boko. Il vivra. Aobika kamama. Aobika nae. Il verra la mort de ses enfants. Parce que amona bale badokufa boko boko boko. Bale badokufa boko boko boko. Le Saint-Esprit de Dieu me ramène à Swaziland. Je suis en train de voir un trouble. Une forme de xénophobie. Le col la xénophobie moro ubandi. Ça commence par une xénophobie. Et ben la xénophobie moro boe. Et ça quitte la xénophobie. Et longue na kozala xénophobie. Et je vois le peuple s'entretuer entre eux. Na moli potomo bomana bango na bango. Le Seigneur me dit de prier pour la Swaziland. Kola bito ponde la pona Swaziland. Ces choses ne tarderont pas. Makambo na lobe u melate. À partir de la semaine prochaine. Kobana poso robanda. À partir de mardi, après-demain. Mardi à poso robanda. Je dis après-demain. Si maya mardi à lobi ya lobi. Il y aura des troubles à Swaziland. Mobule ozana Swaziland. Il y aura des pillages à Swaziland. Ma pillage et ça ma Swaziland. L'esprit me dit de prier pour la Swaziland. Olima bisinato onde la pona Swaziland. Ceux qui sont en Swaziland, si vous me suivez, en Swaziland, la à partir de mardi de la semaine prochaine, bana mardi à poche robanda. Ne sortez pas de vos maisons. Si vous êtes étranger, sans pour autant maîtriser la situation de la ville. Je suis en train de voir les magasins des étrangers être détruits. Je suis en train de voir des magasins être pillés. L'Esprit de Dieu me ramène au Rwanda. Et je suis en train de voir comme un changement brusque. Je suis en train de voir un changement brusque à la tête. L'Esprit de Dieu me dit, il y a une nouvelle personne, une autre personne qui prend la place. Cette personne
personne, ce sera une forme de trahison. Et ça le comme à sous la vie. Que je suis en train de dire, ces choses arriveront. Dans peu de temps. Kalamengi tse. Ces choses ne tarderont pas. Mamwa ko umela tse. Il y aura un changement. Je suis au Rwanda. Je ne maîtrise pas comment les choses vont se passer. Il y aura un changement brusque. Et ce changement apportera l'insécurité dans le pays. Bon, bien, ces choses arriveront dans les jours à venir. Ainsi me parle le Seigneur des armées. Ainsi me parle le Seigneur. Je suis en train de voir une tentative de coup d'état ici à Kinshasa. Tentative de coup d'état à Kinshasa. Tentative de coup d'état militaire ici à Kinshasa. Coup d'état militaire mais comment à Kinshasa? J'assume ce que je dis. Je dis bien tentative. La vie t'as pas comme ça. Ça va rater. Et aussi par le moment où on se sent battu. Ça va rater. Et aussi battu. Je suis en train de voir un groupe de personnes être arrêtées et publiées. Ils ont tenté à la personne de l'autorité du pays. Non seulement ça, le premier va rater. Dieu me dit que ça sera aussi l'avertissement. Il y a une trahison dans la maison. Dans la maison. La bahasa de Periaga, sauvahas. Qui bat de l'os? Comment? Il y a une trahison dans la maison. Elle a sous la maman. Il y a une trahison dans la maison. Je suis en train de voir. Dans les semaines qui arrivent, je ne parle pas de moi, mais je parle de semaines. Nous allons apprendre. Nous allons apprendre. Quelqu'un de très proche. Quelqu'un de très proche au pouvoir. Arrêté et accusé de trahison. Le Seigneur ne me donne pas son nom. Mais le Seigneur me dit ces choses ne tarderont pas. Mais le Seigneur me dit dans les jours qui arrivent, il faut qu'il y ait remaniement. Je ne sais pas si on l'appelle remaniement, mais il faut qu'on change de position de généraux. On change de position de généraux. Ainsi me dit le Seigneur. C'est quelque chose se prépare derrière l'état de siège. Pour prouver à la population que l'état de siège était une erreur. Si les autorités suivent cette vidéo, faites la mise en place. Faites la mise en place avant qu'il ne soit trop tard. Ainsi me parle le Seigneur. Qui me parle le Seigneur. Faites la mise en place. Il m'amène au Congo Brazzaville. Je suis au Congo Brazzaville. Je suis en train de voir un deuil. Dans la famille présidentielle. Je ne sais pas si c'est lui-même. Ou c'est sa femme. Mais je vois un deuil. Je vois la famille présidentielle. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Le Seigneur me dit. Pour Braza. Braza. Pour Braza. Pour na Braza. Pour na Braza. Qui parle de l'os, parle de Kira. Comment? Sœur de Gloria. Ces choses ne tarderont pas. Ma kamou est où, Melaté? Premier signe. Et le bali bocho. Vous allez apprendre Boyoka. Que la première dame de l'autre côté. Et moi, ça me concerne ma Braza. A fait une crise. A kamali. Et on l'a amenée à l'hôpital. Bah, qu'est-ce qu'on peut dire? Et de son retour. Elle sera sur une chaise roulante. Elle ne sera plus exposée aux médias. Ce sera le premier signe. Mais Dieu me dit, à cause de son cœur, c'est une bonne femme. Ainsi me parle le Seigneur. Le Seigneur est en train de l'épargner. À cause de son cœur. Ce que Dieu me dit, il y a exactement une année et deux mois, elle a eu un problème avec ses jambes. Elle n'arrivait plus à marcher. À nos côtés, on soutient. 9.0. C'est ma baba. Mais Dieu me dit. Kola Bisinga. Dieu me dit. Kola Bisinga.
à cause de son cœur. Nicolas Motemane. À cause de son cœur. Nicolas Motemane. Dieu est en train de le parler. Des amours bibisaé. Je suis en train de voir cet esprit de mort autour de la famille. Namamoli makufa o etambola ka yenga yenga ndaka mokonzi ya Braza. Bala sobrega saliga santa. Command Vuluzi 9.0. Et Dieu de Rafa. Chabraliga sakerebera santaya. Et je suis en train de voir ici à Kinshasa. Namona ana Kinshasa. Un soulèvement. Un soulèvement pour tomber kamoko. Il y a une personnalité qui sera arrêtée. Et amutmo batika kie kasiba okangesu. C'est une autorité de ce pays. Amokonzi yamboko akite qui sera encore arrêté. Non, pas encore. Qui sera arrêté? Ah, quelqu'un qui sera arrêté. Cette année. Mbolo. Et cela va provoquer le soulèvement. Yango le Seigneur est en train de me dire, il est en train d'amener le pays dans la volonté, dans sa volonté. Et en amenant le pays dans la volonté de Dieu, il y aura des personnes qui seront éliminées de la course. Et il y aura des personnes qui vont remplacer. Et le Seigneur est en train de me dire, les remplaçants seront des noms qu'on ne connaît pas aujourd'hui. Les noms qu'on ne connaît même pas encore. Oh God. C'est ma baba. Il y aura des noms qu'on ne connaît pas. Les amas combo tu habites. Qu'on ne connaît pas. Ainsi me parle le Seigneur. Ainsi me parle le Seigneur. Je suis en train de voir comme un copier-coller. L'histoire qui se passe ici dans notre pays. Je vois cette histoire se passer en Ouganda. C'est-à-dire, le proche du chef en train de mourir. C'est comme un vent. Et on va appeler cela, c'est la pandémie. Pandémie. Et Ouganda sera exposée comme la zone la plus rouge du monde. Ouganda la zone où pandémie est bête makasi na mokili. Et ça sera une porte de décès. Ainsi me parle le Seigneur de Zambia. Et le Seigneur me dit, prions pour le pays. Prions pour le pays. Parce qu'il y a un changement qui est en train de s'opérer. Il y a un changement qui est en train de s'opérer. Je suis en train de voir comme dans une vision. Je vois une pluie de sang. Une pluie de sang. Mais cette pluie en descendant sur la terre. En venant du ciel, c'est comme le sang. Mais sur la terre, c'est de l'eau. L'Esprit de Dieu est en train de me faire voir comment l'esprit de mort allait ravager les autorités de ces pays. Et Dieu me rappelle un message qu'il m'a donné autrefois. Je vois un homme, un politicien. Je vois les journaux, les médias sociaux. Parler de dépression dans l'autorité de ces pays. La dépression, il y a mon côté moi, mon côté mutu eningani, tapeli mutu. Le Seigneur me dit. Kola bishinga. Il est en train d'arranger les choses. Zamba bongi samaka. Il y a des choses qui vont arriver dans ces pays. Mamusi yoko manamboko yo. Qui nous fera mal. Et ça disons pas si. Mais c'est la volonté de Dieu. Kasi ezana oka moka na Nzambe. Obligé de l'accepter. Et c'est ton mima oka abo. C'est la volonté de Dieu. Ezana oka na Nzambe. Dieu me ramène aux États-Unis. Zamazo singa na États-Unis. Je suis en train de voir. Nazomona. Un sabotage. Sabotage quelque chose se passe. Et le point de qui? Qui sabote. Oui, sabote. Qui expose. Oui, bibisi na poisson. Le gouvernement de Joe Biden. Gouvernement de Joe Biden. Et il sera même traité d'incompétent. Baloba kutu azana makokite oza mokonji. Écrivez ce que je suis en train de dire parce que vous verrez ces choses. Mais ça sera un changement. Et c'est Dieu qui est en train de le faire. C'est Dieu qui est en train de le faire. Et ainsi me parle le Seigneur. Il y aura une haute trahison ici. Et la haute trahison mon tentative. Mais cela ne marchera pas. Parce que je lève ta main de là où tu es.
Tu vas prier, demander implorer la paix dans au bon de la Seigneur qui m'y a l'amour. La paix qui m'y a. Commence à dire à Dieu, Seigneur, impose ta paix dans ce pays. Je suis à la police nationale de ce pays. La police nationale Mboko. Je vois Dieu renverser des situations. La police nationale Mboko. Je vois quelqu'un qui était revenir au pouvoir. Et prendre la tête de la ville. Azongi kokamba ville à Kinshasa, la police nationale. Ces choses ne traîneront pas. Ces choses vont arriver. Juste à cette période, il y aura une mise en place. Je vois un général revenir. À moi, général, à la tête de la police. À Ozonga, au camp la police. Revenir. Nabi Azalaki, à l'omwaki, à Zongi, à Ozonga, comme on dit. Principal. Événement, événement. WS Prod présente le maestro Fabregas, le métis noir. Livrera pour la première fois en Europe un grand concert le samedi 13 novembre 2021 à la salle prestigieuse du double mixte à Lyon, Villeurbanne. Accompagné de son groupe Villanova, il promet un spectacle in. Mon général Kassongo, mon colonel, mon pépé. Les vents. Congo, le monstre d'amour africain, Félix Wazekwa. Monstre d'amour. Qui signe un grand retour sur la scène européenne après 10 ans d'absence. Accompagné de son groupe, Cultura Pays Vie, ils seront à l'affiche au Centre culturel de l'Odyssée à Lyon, Pussignan. Où ils promettent d'éblouir le public et de donner un spectacle chorégraphique exceptionnel. Ça va danser.